chose t'a troublé dans le tombeau. C'était quoi? Ce n'est pas important. Ça avait l'air important, pourtant. Je me suis laissé emporter. Ne m'en tiens pas à rigueur. Waouh. C'était presque une excuse. Il faut croire que t'aimes briser les vases. Ha! Je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. D'autres passages étroits. Regardez, bonne chance. Je pensais que les lames étaient terrifiantes. Regarde! Ce sont les loups géants, Skoll et Ati. Exact. Ceux qui apportent le jour et la nuit. Le Ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune. C'est ça? Est-ce que Tyr les connaissait? Je ne sais pas, mais il les aimait suffisamment pour leur accorder un mur entier dans son tombeau. Tu trouves pas ça chouette, d'être un dieu, et de partir à l'aventure dans des endroits incroyables? Peut-être que maman voulait qu'on s'amuse. Quand je pense à tout ce qu'on a fait et vu, c'était peut-être son cadeau à elle. Et celle-ci? La pensée est plus rapide que le vent. La rapidité n'a peut-être rien à voir là-dedans. Y a-t-il un autre endroit où les vents peuvent aller? Regarde! Un piège à vent!
La pierre unique, elle descend. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Un piège. Père! Atreus, ne reste pas ici. Je vais bien. Comment on va te sortir de là? Tire sur les chaînes, le long du mur. Mais... il y en a trois! Qu'est-ce que je dois faire? Atreus, concentre-toi! Tu peux le faire! Fais vite, petit! Je ne sais pas si je peux me noyer. Allez, réfléchis. Attirez le mur argenté, ils chassent la lune, comme un loup doré qui chasse le soleil. Pour provoquer le Ragnarok, ils doivent les dévorer. Mais les symboles sont pas dans l'ordre. C'est bien. Donc la lune va à gauche et le soleil à droite. Et Midgard est au milieu. Quel levier je dois tirer? Au milieu! À gauche, Atreus. Celui du milieu, vite! Je dois faire ça dans l'ordre. La lune à gauche, le soleil à droite, Midgard au milieu. À droite, Atreus! Levier gauche! La lune à gauche, le soleil à droite. Au milieu! À droite, Atreus! Réussi! Bon, je ne peux pas me rendre. C'est dégueulasse. On s'arrête pas! Une minute! À quoi sert cette grosse chaîne? Père, au-dessus de toi! Atreus, tu dois bloquer la chaîne! Mais comment? Je ne sais pas! Attends, je sais quoi faire! Son couteau? C'est le seul moyen! Ça marche pas! Ça aurait dû marcher! Je sais. Mais il t'a sauvé. C'était bien pensé, mon garçon. La rune est libre! Je crois qu'on a réussi! Bien. Allons voir ce que Tyra a pour nous. Oh non! La rune de protection de Freya! Elle s'efface. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Ça y est, on la tient. Atreus. Tiens. Le jour où tu es né, j'ai forgé deux couteaux, en mêlant le métal de mon royaume à celui de cette terre. L'un était pour moi, et l'autre pour toi, quand tu serais prêt. Ce jour est arrivé. Alors je suis un homme, comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends? Dis-le. Je serai meilleur. La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. C'est là que réside la véritable force d'un guerrier. Tu ne dois jamais oublier ça.
C'est bien. Viens. Dave. Des dieux. J'en ai vaincu des plus gros. Piètre troll. Je suis dans le mauvais sens. De quel côté à la vasque pour remonter ? À la fin d'un voyage. Vraiment ? Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon ? Probablement. Pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici ? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas ?
C'est juste que... tu détestes tellement les dieux. Mais tirer la preuve qu'ils peuvent être bons. Comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas? Oui. Ah, mais qui est assez digne pour en juger? Tais-toi la tête. Nous, on l'est. Car on est sages. Tu parles de plus en plus comme ton père. Prêt? Prêt. Viens. Je sens que ça va me plaire d'être un dieu.